Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère qu'on se prépare à vivre la plus belle des journées aujourd'hui. Et comme à tous les jeudis, on rejoint quelqu'un, je sais, vous l'appréciez beaucoup et moi aussi, nul autre que Dolly Dimitrov. Bon matin. Je me pose une question ce matin. Est-ce que vous êtes une personne qui donne ou t'es plus une preneur? Parce que dans la vie, il y a des donneurs puis il y a des preneurs. Et quand on est un donneur, habituellement, on a énormément de misère à recevoir. C'est tellement important d'apprendre à recevoir. Parce que quand quelqu'un nous donne quelque chose, on devrait le dire « Merci, je reçois ». Dans le temps, si quelqu'un me donnait un compliment sur mes cheveux, « Oh, j'adore tes cheveux », je dirais tout de suite dans une justification « Ça fait 3 jours que je ne les ai pas lavés. Pas capable de recevoir ». Hey, c'est-tu un nouvel chandail, ça? Ben non, j'ai acheté ça chez Croteau, ça fait 10 ans. Hey, t'as maigri! Ben non, j'ai pris du poids. Hey, coudon, t'as l'air en forme, je suis brûlée. Pas capable de dire merci. Pas capable de juste recevoir. Si la personne dans ses yeux, pleine d'amour, te donne quelque chose, qu'est-ce qu'on devra faire? C'est juste recevoir et dire merci. Puis il y a des gens, des fois, qui donnent, mais la façon qu'ils donnent, c'est avec un élastique. Ils ont leur calepin, puis tout est calculé. Je t'ai donné ça, j'étais là pour toi quand t'étais malade, je t'ai appelé pour ta fête, je t'ai offert une carte. Quand c'était la mienne, il n'y a rien de fait. Mais donner avec comme ça, c'est donner avec un élastique et c'est pas sain. C'est pas sain dans le sens que quand tu donnes quelque chose, c'est donné, c'est fait. Puis quand tu donnes quelque chose avec amour, c'est comme un cadeau. Quelqu'un t'offre un cadeau puis dit, mais si jamais on se perd, je vais le prendre. Mais voyons. Non, non. Quand tu donnes, tu donnes. Puis tu donnes avec amour. Puis tu laisses l'autre personne s'occuper de qu'est-ce que tu as offert. C'est ça s'assumer. C'est ça se responsabiliser. Et tu sais, dans la vie, plus que tu donnes, plus que tu reçois. Mais pas nécessairement de la même personne. Il y a des gens autour de toi qui vont te donner plein de cadeaux. C'est pas nécessairement quelque chose dans tes mains physiques. Ça peut être un sourire. Ça peut être un encouragement. Ça peut être juste de temps passé avec toi. Ça peut être la tendresse. Ça peut être l'amour. On peut recevoir plein de choses. L'important, c'est d'apprendre à donner et de recevoir. Alors aujourd'hui, je vous souhaite de te donner un cadeau et de recevoir avec amour et humilité quelque chose que quelqu'un a à t'offrir, même si c'est un sourire. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est la dernière semaine où je vous parle de ce beau collier, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Et comme je vous le dis depuis le début du mois, vous ne trouverez jamais ce collier en magasin nulle part. Il était fait sur mesure à la demande de la Victoire de l'amour. C'est le collier qui rend hommage à deux papes extraordinaires, Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II. Il est fabriqué avec des grains d'hématite, il est plaqué argent et vous voyez à l'écran deux belles petites médailles, des breloques avec Saint Jean-Paul II et Saint Jean XXIII et au centre une belle petite croix plaquée argent. Je vous rappelle que ce collier, il est déjà béni. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux parce que ça se donne très très bien en cadeau, vous le voyez à l'écran, moi je le trouve absolument magnifique. Probablement, je pense, depuis le début de la Victoire de l'amour, le plus beau collier que nous avons eu parce qu'on en est très fiers. Alors je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour.
Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h le matin à 5h le soir, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous, évidemment, je vous rappelle ce beau collier, c'est la dernière semaine que je vous en parle, qui est en grain d'hématite plaqué argent, qui rend hommage à deux papes extraordinaires, Saint Jean-Paul II et Saint Jean XXIII. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va rejoindre pour la parole de Dieu, ce prêtre qui travaille dans la rue, l'abbé Claude Paradis. Bonjour, bon matin. Aujourd'hui, l'homélie, on pourrait l'appeler par Maranatha. Qu'est-ce que ça veut dire, Maranatha? C'est leur dernier mot qui est écrit dans l'Évangile. On va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là. Et ce matin, eh bien, c'est un Évangile selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. « Veillez, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. Vous le savez bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Quel est donc le serviteur fidèle et sensé à qui le maître de maison a confié la charge de son personnel pour lui donner la nourriture en temps voulu. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera à son travail. Amen, je vous le déclare. Il lui confiera la charge de tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit, « Mon maître s'attarde », et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, son maître viendra le jour où il ne l'attend pas et à l'heure qu'il n'a pas prévue. Il se séparera de lui et le mettra parmi les hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le mot « Maranatha » que je vous disais, c'est le dernier mot qui est écrit dans la Bible. Ça veut tout simplement dire « Viens, Seigneur Jésus ». Parce qu'on sait que dans le temps que la Bible a été écrite, ces gens-là attendaient la venue du Messie pour très, très, très prochainement. Alors que le dernier mot dit « Viens, Seigneur Jésus, on t'attend », parce qu'ils pensaient que c'était pour être imminent. Mais on est aussi invité en même temps à prendre deux choses en considération. On est porté à travailler sur l'attention. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Et à la prévision. Vers quoi roules-tu? Les premiers chrétiens se préparaient au retour immédiat de Jésus. Leur impatience dans leur dernier mot de la Bible, « Maranatha, viens Seigneur Jésus », est une prière qui revient à la mode. Je dirais qu'elle a deux couleurs. La première, c'est « Je suis prêt à te rencontrer aujourd'hui, même s'il le faut. Je sais que je suis né pour cette rencontre, alors viens, Seigneur Jésus. Mais si j'ai encore des années devant moi, eh bien, remplis-les tout de suite de toi. Viens. Viens me faire vivre dès maintenant, au maximum. C'est pour cela que je suis né. » Est-ce qu'on est prêt?
J'ai vécu quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir. J'étais en train de faire, de donner le sacrement, la confession. Je faisais la confession dans un confessionnal. Et il y a quelqu'un qui est arrivé, qui s'est mis à genoux, vous savez, c'est la petite grille, là. Il s'est mis à genoux là. Et là, il a commencé à me parler. Mais c'était vraiment pas cohérent. Et là, je me disais, quelque chose qui cloche, là, c'est vraiment pas normal, c'est pas une attitude normale. Et tout à coup, il sort un gun et il me dit, prêtre, prépare-toi à mourir. Hey, c'est fatigant, je vais vous dire quelque chose, hein? Le premier réflexe que j'ai eu, ça a été, OK, Seigneur, mais fais ça vite. C'est drôle, hein, les réactions qu'on peut avoir, j'ai dit ça comme ça. Après, je tremblais de tout mon corps là, quand j'ai vu là, que c'était... Mais c'est un peu ça qui m'a fait voir, est-ce qu'on est vraiment prêt? Sans le savoir, hein, quand ça devient comme ça, là, où on voit un accident de tout, où qu'on va être impliqué, comment qu'on répond? Si on est prêt? C'est un peu là que j'ai découvert. Je pense que à ce moment-là, j'étais prêt, mais je voulais que ça se fasse très vite. Là. Je ne voulais pas que ça soit... Donc... Oui, on peut peut-être travailler sur ces deux aspects-là, qu'il vienne nous rencontrer, ou sinon qu'il nous donne de sa présence à lui. C'est ça qu'on va travailler aujourd'hui. On va demander au Seigneur « Maranatha », c'est-à-dire « Viens, Seigneur Jésus, nous t'attendons, nous avons besoin de toi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que tes îles sont belles, Seigneur. Venez vivre une semaine de réflexion spirituelle remplie d'amour et de paix, dans une ambiance fraternelle. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charron et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. C'est la dernière fois que je vous en parle cette semaine et pour le reste du mois, moi, je vous fais confiance. Vous savez que je vous parle depuis le début de la semaine comment ça a été difficile pendant tout l'été. C'est, je pense, en 20 ans, le pire été qu'on a vécu au niveau financier, au niveau des dons. Et à un moment donné, vous savez, on en est là et il faut être capable de payer nos factures. Et je veux qu'on puisse commencer l'automne le cœur en paix. Moi, je vous fais confiance totalement. Si vous croyez que cette émission-là est importante, moi, je reçois tellement de courriels, des messages sur Facebook. Vous êtes des milliers le matin, un peu partout au Canada et aux États-Unis, à nous dire s'il fallait qu'on perde cette émission-là. Vous savez que ça fait bientôt 20 ans et moi, je vous fais confiance. C'est important, je vous disais qu'il y a quelques jours, c'est pas de se vider poche. Il y a des gens qui peuvent donner 2 $ puis c'est correct. Il y en a qui peuvent donner beaucoup plus et c'est correct aussi. L'important, c'est qu'on puisse garder cette émission en onde et moi, je vous fais confiance. Vous voyez les numéros de téléphone, nos bureaux ouvrent à 8 heures ce matin jusqu'à 5 heures ce soir. Et évidemment, vous pouvez recevoir des cadeaux du mois, vous demandez celui que vous voulez et ça nous fera plaisir de vous l'envoyer. Je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Et j'espère que vous qui écoutez, vous vous dites ce matin, OK, ce matin, moi, j'ai peut-être jamais donné en quelques années, mais là, je me décide parce que je veux garder cette émission-là. Merci de tout mon cœur et je vous attends demain. Nous y avons l'émission, c'était pas pour avoir du fun, ah, non, c'était non, vraiment non, non, pour non, moi, j'étais, endormir. C'était vraiment, quand tu dis boire pour oublier, moi j'étais de l'alcool, puis moi on faisait pas bon ménage, je broyais quand j'arrivais, je finissais mon spectacle, je pleurais, puis je voulais rien savoir de personne, puis tout le contraire, quand je faisais mon spectacle, j'avais besoin de ça pour affronter les gens, pour qu'ils me démasquent, parce que ma douleur était trop grande. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidents Soleil de leur accueil si chaleureux.